Christian Gentil, le président de l'ASK Angerville. Une saison 2019 mémorable à Angerville avec un programme important, championnat de France Oka, Coupe de France Oka Junior ce week-end. Très bientôt le championnat d'Europe et à suivre une course internationale également de la WSK. Comment le club d'Angerville a préparé tous ces événements ? Bah déjà, il a fallu faire pas mal d'aménagements sur la piste à la demande de la CIK, c'est-à-dire agrandissement du parc fermé pour fermer départ pour recevoir les deux châssis, puisque chaque pilote a droit à deux châssis. Agrandissement de l'aire de réparation, modification du premier virage. Avant, on avait un virage qui se refermait, maintenant il ne se referme plus. Donc, moins de casse, moins de sortie de piste à ce virage-là. Donc ça fait beaucoup de travail pour le club et c'est bénévole. Depuis combien de temps vous êtes sur le sujet ? Donc on travaille sur le circuit depuis qu'on sait qu'on nous a attribué cette épreuve-là, c'est-à-dire depuis début septembre 2018, en raison de une à deux journées par semaine à 10-12 personnes. Hein. Voilà. Donc là on est à 15 jours du championnat d'Europe, avec cette belle course, ce beau meeting FFSA Karting. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on est fin prêt. Encore quelques points de détail pour l'Europe, en particulier pour Internet, puisqu'on a loué des paraboles satellites de façon à pouvoir avoir la diffusion TV, une parabole pour la salle de presse et une pour le chronométrage. Après, pour le reste, on est pratiquement prêt. On va avoir aussi un écran géant qui va diffuser les publicités sur la tour. Voilà, donc on est fin prêt. Il n'y a plus qu'à peaufiner la semaine prochaine avant d'accueillir le championnat d'Europe. Parfait. C'est donc une belle initiative de la FFSA également d'avoir organisé ce premier meeting avec les mêmes catégories. Oui, bien sûr, ça permet d'avoir un championnat de France avec de nombreux pilotes dans les catégories OK et OK Junior, hein, auquel est venu se greffer le championnat féminin, hein, championnat de France féminin. Hein. Donc un président de club content de cette année ou fatigué ? Les deux à la fois. Content parce qu'on aura quand même trois belles épreuves cette année. Hein. Fatigué aussi parce que ça a demandé beaucoup de temps pour la préparation, beaucoup de travail. Et puis le petit regret qu'on a, c'est d'avoir les trois épreuves sur un mois, quoi. Ça va être chaud en termes de travail.